Infinity. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous avez voyagé du côté des États-Unis. Marque jeune, puisqu'elle vit le jour le 8 novembre 1989. Elle est la représentation premium de Nissan. Alors, qu'en penses-tu, Jérôme ? Une gueule vraiment atypique, un capot bombé, des feux vraiment très fuyants, très effilés, une énorme calandre, on dirait une grosse bouche. En tout cas, on ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire que c'est super imposant, très très large, très très haut. Garé à côté d'une autre voiture, on voit vraiment que c'est un gros véhicule. Ensuite, j'aime beaucoup parce que ça fait partie des marques haut de gamme. C'est très luxueux, c'est très bien fait. J'adore. Alors par contre, ce que j'aime moins, les tailles de pneus, 21 pouces. Je peux vous dire que quand il faut passer au garagiste pour changer les pneus, à mon avis, grosse douloureuse. Mais en tout cas, moi je me régale, il me tarde de monter à bord. Long de 4,86 m pour 1,92 m de large, sa hauteur est d'1,68 m, l'Infinity en impose. Son coffre varie de 410 à 1305 litres. À l'intérieur, le luxe est omniprésent, cela sans paraître ostentatoire. Alors, plus encore pratique et inédit, vous avez droit à tous les égards sur votre Infinity. Eh bien, quand je vous parlais de classe et de haut de gamme à l'extérieur, franchement, c'est encore mieux ou encore pire, je ne sais pas comment le dire, à l'intérieur. Ce qui me choque en montant à bord, c'est qu'avec ce tout petit volant, ces palettes façon véhicule de course, j'ai absolument pas l'impression d'être à bord d'un 4x4. C'est vraiment très agréable. Alors ensuite, l'équipement est super complet avec tout ce qui est ordinateur de bord, GPS, des Komodo qui sont vraiment très précis, des ajustements vraiment très très fins, de très beaux matériaux. Moi, ça me plaît et franchement, c'est encore un véhicule que j'aimerais garder dans Gran Turismo. L'éclairage de bienvenue repère votre présence et active astucieusement l'éclairage latéral dès que vous approchez d'une certaine distance du véhicule. Et lorsque vous vous rapprochez encore plus, l'éclairage intérieur s'active. Autre exemple, la ceinture de sécurité est l'une des surfaces que vous touchez le plus souvent. Voici pourquoi vous trouverez un tissu armure chevron pour les sangles qui est 20% plus doux que les tissus classiques. À l'utilisation, alors un gros point fort de ce véhicule, c'est qu'on a un réel sentiment de sécurité. On est assis très très haut, le véhicule tient très bien la route, ça c'est vraiment un point fort avec bien sûr tout le luxe qu'il y a autour de la position de conduite. Au départ, dans les points faibles, j'aurais mis la position de conduite parce que je ne peux pas la baisser suffisamment. Seulement, j'ai compris pourquoi c'était aussi haut, parce qu'avec les ailes et le capot autant bombé que ça, je peux vous assurer qu'on ne voit pas très très bien le devant du véhicule et donc on a besoin vraiment d'être assis haut pour distinguer les obstacles et même sur la route, au départ, ça demande une petite habitude pour se faire au volant de cette Infinity. Lorsque les conditions sont idéales, le système intelligent 4 roues motrices AWD All-Wheel Drive permet la totalité de la puissance aux roues arrière pour une réaction plus sportive et plus de performance. Mais il surveille aussi constamment le patinage, la position de l'accélérateur et la vitesse du véhicule et peut détourner jusqu'à 50% de la puissance disponible vers les roues avant dans des conditions plus difficiles. Et les freins alors, car l'ensemble pèse plus de 2100 kg à vide. Pour la partie châssis, eh bien encore une fois, je suis bluffé parce que c'est incroyable ce que les ingénieurs arrivent à faire en termes de tenue de route avec ce genre de véhicule qui vire à plat, qui a très peu de roulis. Bien sûr, ce qui souffre le plus, ce sont les freins. J'imagine une descente d'un col par exemple, une masse comme ça à ralentir, eh bien c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est vrai que ça sent un peu les freins sur notre essai. Au quotidien, il n'y a pas de souci. C'est le petit point faible. Le nouveau 6 cylindres en V, 24 soupapes, développe 238 chevaux à 3750 tours minute, cela sous un couple impressionnant de 550 Nm, disponible à 1750 tours. 8 secondes 3 pour passer de 0 à 100 et 212 km/h en vitesse maxi sur circuit, qu'en dis-tu Jérôme ? Alors le 6 cylindres diesel, franchement, il sait se faire oublier en termes de bruit, c'est vraiment très très bien sonorisé.
Par contre, il sait être présent parce que dès qu'on appuie sur la pédale, l'accélérateur, eh bien, franchement, il y a du répondant, c'est vraiment très coupleux. C'est étonnant qu'il y ait autant de répondants pour une masse pareille sur ce 4x4. Accouplé à la boîte robotisée 7 rapports avec les palettes au volant qui sont très très bien dessinées. Bon, je trouve que c'est un peu lent avec le passage séquentiel. À la limite, je préfère la boîte automatique en mode robotisé. Sinon, c'est très très bien étagé. J'ai parlé de l'insonorisation, j'ai parlé de la consommation qui est un poil élevé pour on va dire un usage raisonné. Mais par contre, pour ce genre de véhicule, c'est très très bien maîtrisé, donc j'ai pas de remarques particulières sur ça. L'Infiniti FX70, dans un but d'homogénéisation de la gamme, s'appelle dorénavant QX70. Peu importe son nom, car il vous permet de rouler décalé comme nulle part ailleurs, dans un confort, avec des performances et plus, dans un luxe qui ne se refuse pas. Gamme Infiniti QX70 à partir de 52 770 euros.